Loïc Privé, aujourd'hui on a de nouveau vu un bon match de la quatrième ligne. Vous avez obtenu une pénalité et sauvé un goal, notamment en début de deuxième tiers. Après le match à Getse, vous avez marqué deux buts. Est-ce que tu ressens aussi que vous êtes beaucoup mieux depuis quelques matchs? Oui, c'est clair que notre ligne, nous on est contents de nous. Quand on reçoit un peu de temps de jeu, on chope direct un peu plus confiance. Et puis c'est clair que ça tourne mieux, quoi. Et puis là, les deux goals, ça nous a fait du bien aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué. Et puis là, on essaie d'un peu mettre du rythme et puis ça fonctionne pour l'instant. Donc on est contents. Ce soir, tu as joué contre ton frère pour la première fois de la saison. Qu'est-ce que tu penses de son début de saison à lui? Alors ouais, c'était pas la première fois que j'ai joué contre lui. C'est clair qu'il a changé de club, il est à Chaux-de-Fonds maintenant. C'est toujours spécial de jouer contre lui. Puis je trouve qu'il joue bien. Il essaie toujours, j'essaie toujours de prendre l'exemple sur lui. Et puis là, c'est clair, à Chaux-de-Fonds, ça va un peu moins bien pour l'instant. Je pense qu'ils ont un manque de confiance en eux. Ils ont eu, ils viennent de perdre contre Zoug. Alors je pense que c'est aussi un peu leur problème, quoi, pour l'instant. Dimanche, troisième derby de la saison. Vous allez viser une troisième victoire. Comment est-ce que vous allez préparer ce match? Alors on va préparer ce match un peu comme tous les autres. Un derby, c'est un match, c'est clair, c'est un peu plus spécial, mais au fond c'est un match de hockey. Donc on va le préparer à fond, puis on va essayer de chercher cette troisième victoire contre Viège. Merci beaucoup Loïc, et bonne suite de saison et bon match dimanche à Viège.